Bonjour à tous, je me nomme Aïda Ndiaye, je suis la cofondatrice de Africa Green Tech. Voilà, on est dans le cadre de l'électrification rurale. Africa Green Tech apporte des solutions en général pour l'électrification, mais dans le solaire. Et aussi, on a d'autres produits, voilà, comme par exemple des chambres froides, des pompes solaires et aussi des lampadaires solaires. On a aussi des frigos dans le cadre de pouvoir assister et d'apporter un surplus pour les agriculteurs. Voilà, au jour d'aujourd'hui, pourquoi je suis là, c'est plus pour assister et les agriculteurs à aller vers le bio et la transformation. Et surtout aussi dans le cadre de pouvoir mieux conserver leurs produits. Et pour une vente meilleure et qui ne puisse pas le faire à perdre. Donc on a concipé et construit aujourd'hui un système conteneurisé où on peut aider les agriculteurs à pouvoir consommer leurs produits et à les vendre à des prix raisonnables pour que les denrées ne périssent pas et qu'ils puissent aussi en profiter et être économiques. Donc ça c'est le système conteneurisé de refroidissement qu'on a conçu. Aussi on a des pompes solaires pour pouvoir aider les agriculteurs à pouvoir avoir facilement l'accès à l'eau et pouvoir voilà pour qu'ils puissent faire leurs semences sans avoir de complications côté tout ce qui est côté eau. Donc voilà, on a aussi voilà des lampadaires solaires et ça rentre un peu dans le cadre de l'électrification. Voilà, donc quand on arrive dans un village en général, on a notre système Impact Site, c'est-à-dire on commence par l'électricité et on aide aussi la population, c'est-à-dire que surtout on crée des activités génératives de revenus pour les marchands ou les gens qui veulent créer de l'emploi. Et voilà, on les assiste pour qu'ils aient de l'électricité productive. Voilà un peu dans l'ensemble. Et maintenant, on est en train de, avec toutes les expériences qu'on a eues depuis 2014 à maintenant, on a vu à peu près les difficultés que les villageois rencontrent dans les villages. Et donc, on a conçupé notre système pour pouvoir aborder un peu les différents problèmes dans les villages. Et aussi, on aide beaucoup les femmes à être autonomes. Et voilà. Donc on est une société sociale et on accompagne les villageois du début jusqu'à la fin. Donc voilà un peu l'ensemble de ce qu'on apporte dans les villages. Merci.